Eh bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui pour le 7ème épisode de Civilization 6, toujours sur notre attaque du Congo qui va bientôt arriver. Voilà, seconde guerre du Congolaise. Et cette fois-ci, on va pas les laisser. On va les enlever complètement du truc là, c'est plus possible. Ouais bah oui, t'as de quoi être impressionné, oui. Parce que là on est premier en tout, hein, concrètement. Surtout avec ce qu'on va faire là. Voilà. Ha! Ha! T'avais raison, mec. Déclaration de guerre. On est en guerre! Voilà, j'ai mis une petite guerre surprise dans la tête. Je pense qu'il va chialer. Je pense qu'il va pleurer des crevettes. Et on va mettre un petit blindé. Nye, non. C'est pareil, et hop. Toi, tu vas là. Alors, ah, j'ai fait attaquer direct. Bon, tant pis. Regardez si j'ai rien pris en vrai. Hop, lui, il peut attaquer. Ouais, lui, il peut pas attaquer, c'est bien ce que je me disais. Lui, il peut attaquer. Et lui, il peut attaquer. Ça va être une guerre éclair. Hein. C'est une guerre éclair. C'est n'importe quoi. Et la ville est à nous en un tour. Merci, au revoir. C'était quoi cette guerre? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai pas compris. On annexe. En un tour, on a eu la ville. C'est complètement what the fuck. Alors, toi tu vas aller là-bas. Pour notre petite merveille qui s'appelle notre petite merveille d'Oxford. Tout simplement, toi tu vas pouvoir monter là-haut faire notre champ de banane. Et on s'est mis vachement bien, du coup l'armée va remonter là-haut, essayer de tuer tout ce qui sert à rien. Ouais, t'as raison, siffle toi. La violence que j'ai dû mettre à lui. Je pense pas qu'il ait trop compris là mon attaque. Mais c'était l'objectif. Parce que là, je vais prendre toutes ces villes. Ha ha ha. Ouais, tout à fait. Buenos Aires. Hop. Eux, ils sont tranquilles, tu vois. Ils vont être les seuls qui sont à peu près tranquilles. Que je ne vais pas attaquer. Alors, Gustave Eiffel, continue. Voilà. Oxford savent tout ce qu'il y a à savoir. Mais leur intelligence n'arrive pas à la cheville de celle de Monsieur Crapaud. L'université d'Oxford, ça, c'est fait. On s'est mis bien. La Wenta. Hop, une banque. Parce que vive l'argent. Et en plus, on a découvert la nucléarité du show, du travail. On va commencer par créer quelques petits avions. Est-ce qu'on partirait pas sur... Attendez. 35... Je regarde la production, 63, c'est celle-là qui produit le plus. On va lancer, est-ce qu'on peut, le projet Manhattan, qui va nous permettre de faire des bombes nucléaires. Toi, tu vas monter là-haut. Parce que, go fuck. Hein. Et si on va attaquer Kumasi, au moins ça sera fait. Toi, tu pars de ce côté-là. Toi tu pars de ce côté là aussi. Toi pas mieux. Et le sous-marin tu pars du côté là. Toi tu vas remonter vers là-haut. Toi aussi tu vas remonter. Et toi tu vas remonter aussi. Tac, et je crois que j'ai d'armée disponible. Qui est-ce qu'il a? Eh ben toi tu dors toi. Il se donne d'ordre. Toi, tu vas aller faire du commerce avec... ah, c'est plus... Il n'y a plus d'autres villes maintenant, c'est que mes villes. Avec Rennes. Hop.
Et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà. On s'est mis bien. On s'est mis vachement bien. Je pense que là, on est inarrêtable. Concrètement. En plus, on va avoir la bombe nucléaire. Donc ça va être ouf. Hop. Ils sont tous en train de me... Il y a plus personne qui m'aime, regardez-moi ça. Dénonciation, guerre, dénonciation. Voilà, merci, au revoir. Que faire avec cela? Je n'ai pas demandé, moi, d'être en dénonciation par tout le monde. Je suis gentil. Hop. Hop. Tac. Tac. Je peux pas encore attaquer. Et on peut commencer à attaquer là-haut. Hop. Et puis voilà, tac, tac, prochain tour, on va pouvoir commencer vraiment à attaquer la ville. Là, j'ai juste une petite attaque, vite fait. Un petit coup de pied dans la fourmilière. Toi, tu construis notre truc de banane, d'ailleurs. Et puis, j'ai pas encore assez d'argent pour l'améliorer en blindé, celui-là. Et tour suivant. Voilà. Alors. En plus, il faudra que j'accueille... Ah bah non, c'est bon, maintenant j'ai... Attendez, c'est quoi que je récupère à pouvoir mon nucléaire? Au pire, je pense qu'on aura un peu plus haut. Ouais, vous voyez, si j'arrive à prendre là-haut, ça ira. Je refuse ton accord. Je ne veux pas accepter tes accords, monsieur. Je t'ai dit non plusieurs fois. Alors, Touk, touk, touk. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hop, à l'attaque. Regardez-moi ces attaques avec les sous-marins, c'est d'une violence. Vive l'attaque. Toi, tu montes là-haut. Toi aussi. Et du coup, on commence à attaquer véritablement cette ville. Qui ne devrait pas appartenir au Congo, qui devrait m'appartenir, tout simplement. Voilà. Hein. Parce que Balek, c'est ma ville maintenant. Je l'ai décidé. Et si je veux, je l'aurai. Merci, au revoir. Hop. Et puis ça, ça part. Voilà. Cette puissance... ma puissance d'attaque est impressionnante. Tac. Alors. Hop. Touk. Qu'est-ce que je voulais faire? Faire une université? Tour suivant. J'adore ce jeu. Alors. Le truc c'est que cette ville là, je suis repareil, je vais la prendre. Le truc c'est que là j'ai mes bateaux, ils peuvent pas y accéder. Bon, je peux attaquer celle-là avec les bateaux pendant que j'attaque celle-là avec les chars. Et puis de toute façon celle-là je vais pouvoir la prendre avec mon blindé. De toute façon. Tac. Ah, pourquoi je peux plus attaquer? Et mec. Pourquoi? J'ai envoyé des machins? Mais non, j'ai zéro émissaire. Mais j'ai pas voulu être en paix contre eux. Non.
Je ne voulais pas être en paix. La paix, c'est pour les faibles. Hop, les bateaux, on les envoie là-haut. Ma flotte est vachement puissante. Hop, on repart sur un nouveau blindé. Ah, une ville! Tiens, je ne m'y attendais pas du tout. Si on bâtissait le Christ Rédempteur. Je propose de le bâtir quelque part. Par là. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire un réseau d'égouts. Voilà. Parce que les égouts, c'est important. Et toi, tu vas direct attaquer là-haut. Voilà. Tac. Ah, on peut attaquer directement aussi là. Merveilleux. Où est-ce qu'on peut envoyer notre sous-marin? Si on envoyait à Carthage, tiens. Je vois qu'il y a du peuple. Vous voyez nos sous-marins vers Carthage. Quant à toi, bah pareil, hop, direction Carthage. Voilà, voilà, hop, hop. Et on est bon. Alors. Où est-ce qu'on en est? J'apprécie très très moyennement qu'on attaque mon blindé. C'est fragile un blindé, monsieur. Tu fais quoi, wesh? D'où t'attaques mon navire? D'où tu attaques mon bateau? Tiens, un accès sur la mer comme ça, c'est... Il fait des tirs anti-aériens, lui, je sais même pas. Merveilleux. Si c'est pas beau, tout ça. Et... Oh bah t'as plus de vie. Tac. Lui on va faire remonter là-haut et essayer de choper la ville. Et en faire une bourse ici. Et puis en faire un marché là-bas. C'est relou là. Tac. Tac. Puis hop, on va détruire cette unité qui m'attaque. Et puis voilà. Hop. Alors le commentaire sur cette vidéo est merveilleux. C'est tac 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 hop hop hop. Et puis unité en attente d'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe mon petit? Si tu t'approchais là-bas. Waouh, des catapultes. Ils sont très avancés. Ils ont des catapultes, wesh. Depuis qu'on a des catapultes à cette époque? Mais qu'on est en 1880. Mettez-vous à la page, hein. S'il vous plaît. Et que leurs chevaliers, ils essaient de combattre des tanks, quand même. Moi, ça, je tiens à souligner le courage des chevaliers qui se jettent tête contre un tank. C'est... Tout simplement merveilleux. C'est héroïque. Mais c'est complètement con, aussi, hein. Alors, on va pouvoir monter vers Carthage après. Hop. Hop. Ils peuvent pas faire grand chose là contre des unités de tank comme ça. Ils ont beau me les attaquer, mais là, le truc c'est que je descends leur vie critiquement. Ah, un nouveau tank. Tiens, si c'est pas beau tout ça. Mais même en voyant ça, les unités comme ça, là, je suis en train de les défoncer, donc... Puis je vais encore choper leur ville. Par contre, leur ville, là, je vais pas la prendre, je vais la raser direct. Je veux pas ta ville, elle sert à rien. Je l'enlève juste pour plus que tu habites ici, c'est tout, hein.
et on rase la ville. Tout simplement. Tout simplement. Ça va être la seconde guerre mondiale. Là, c'est, vous laissez le début, tu vois. Mais après, je vais commencer à envoyer toutes mes unités vers l'est. Vers le nord. Enfin, nord-est. Oui, vers le nord. Je dis de la merde. Tac, on va faire un complexe portuaire. On va envoyer nos émissaires où je voulais les mettre, c'est-à-dire là-haut. Ouf, pas grand-chose de pas mal, là. Puis là, je peux pas attaquer. Autant les envoyer directement. Ouais, 10 tours, c'est un peu long, quand même. On va essayer de les envoyer là. C'est un peu loin, mais j'ai pas trop le choix. Si je veux attaquer, je vais essayer de prendre un peu l'Europe, là, maintenant. Du coup, je suis obligé d'envoyer mes unités là-bas. Ça va être un peu long, mais pas trop le choix. Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est fini le... Ah, projet Manhattan, dans 4 tours, on aura fini. Et d'ailleurs, j'ai un uranium. On va prendre cette ville une bonne fois pour toutes. Allez. Non, je l'ai. Oh, c'est trop beau. Confirmer quoi? Annexer la ville. C'est désormais ma ville. Merci, au revoir. Armurerie. Oh, je peux attaquer en plus, merveilleux. Hop, tu rentres pas sur mon territoire. Beuh. Espèce de moche. Il reste plus que Carthage maintenant. Il n'y a plus que Carthage à éliminer, on est bon. Sur eux. Voilà. Du coup, on sera pas mal. On sera pas mal. Carthage étant l'objectif principal. Et puis, là, on a pris quand même pas mal d'une bonne grosse partie de l'Afrique. Hein. Faut dire qu'on a des unités vachement puissantes pour l'époque, par rapport aux autres, là. Et en plus, on va bientôt finir la victoire culturelle, bientôt. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement monter. Hop. Ça, les tanks sont assez rapides. Hop, on va faire bouger tous nos tanks là-haut. Hop. Hop. Et puis. Toi là. Je comprends pas pourquoi. Les gars, ils avaient plein de trucs, mais ils ont pas foutu. Ils ont pas réussi à s'occuper un minimum de leur truc, je crois. Alors, ce qu'on peut faire d'autre, c'est qu'on peut faire. Ici, je vois que c'est toujours en dèche. D'habitation, on va faire tout de suite un quartier d'habitation. Voilà, au moins on sera plus embêté sur ça. Ici on va faire le grenier, on va le réparer. Parce que je vois que c'est la dèche. Voilà. Là aussi on répare. Alors, toi tu vas plutôt monter là-haut. Voilà, et puis faire une petite ellipse parce que je vois que j'ai plus beaucoup de place sur mon disque dur. Le temps de nettoyer un petit peu tout ça, puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, excusez-moi. Du coup, alors, on en était au moment où lui, il allait faire un petit champ là-haut. Où lui, il allait... Où est-ce qu'il peut aller, lui? Si on partait à Hong Kong. Si on partait embêter, c'est les Chinois. Ça m'agace au plus haut point. Les Chinois m'agacent au plus haut point. On va partir à l'attaque des Chinois, voilà. Alors, oula, il est bug, qu'est-ce qui se passe? Oula, youyayay! Que se passe-t-il? C'est les chutes de très FPS. C'est très les FPS bas. Alors, unité en attente d'ordre, toi tu vas rester un peu plus par là-haut. Dire qu'à un moment je voulais être ami avec eux. Et maintenant il me dénonce. Je ne peux pas laisser ce crime impuni. Je ne peux pas laisser ce crime impuni. Je vais fonder une ville juste pour le truc là. Juste pour l'uranium, je pense. Un article... Ok.
De toute façon, bientôt le Congo n'existera plus, donc le problème sera vite fait réglé. Regardez, Congo dernier, Congo là, mais ils produisent plus rien, donc ça va pas être très compliqué. On déclare la guerre juste pour pouvoir passer. Hop. Si je fais ça, c'est limite juste pour pouvoir passer en fait. Parce que sinon je pourrais pas rentrer chez eux. Hop. Voilà. Comme ça on est bien à Carthage. Et on va pouvoir éliminer cette ville au prochain tour. Qui est... Parce que c'est notre projet, tout simplement. Voilà. Alors, toi ce que tu vas pouvoir faire, c'est réparer ce petit monument. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la dèche. C'est la dèche, d'accord. Tiens, si on faisait un opéra. J'ai toujours voulu faire un opéra. Hop. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, plutôt faire une petite promotion. Voilà. Ah, il reste un tank ici, tiens. Je l'ai pas vu. Et puis, bah toi, hop, débroussaille. Toi tu vas monter là-haut aussi débroussailler. Tac. Encore un musicien. Je sais plus quoi en faire. Je sais plus du tout quoi en faire. Hop, là on va le laisser comme ça juste. Il en reste encore un. What? Combien j'ai fait d'unités concrètement? Je sais pas combien j'ai de chars, mais là c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. C'est démesuré. Voilà, tout simplement. Alors que le projet Manhattan se finit en deux tours. Je vais enfin finir. Je vais prendre toutes les trois villes là. Ça va pas être plus compliqué que ça. Ces trois villes laisseront à moi dans très peu de tours. Oh, les Chinois me déclarent la guerre. Oh, les Russes aussi. Bah c'est parti, on part sur une guerre mondiale. La guerre mondiale est déclarée. Ère de l'information. Bon, et ben si vous le voulez, qu'il en soit ainsi, mes amis. La fusion nucléaire n'a plus de secret pour moi. Hop. J'aurai bientôt faire toutes les technologies qui existent. Je vous propose de bâtir des bombes nucléaires. Enfin, un sous-marin nucléaire d'abord. Et ici, on va mettre un réseau d'égout. Parce que c'est important, les réseaux d'égout. On oublie trop souvent l'importance du réseau d'égout. Hop, c'est parti, faut attaquer. Tac. Une attaque, deux attaques, trois attaques, et une quatrième. Ah bah même pas besoin de quatre attaques, une attaque et c'était bouclé. Et c'est notre ville. Adieu, mon petit Congolais. C'est un plaisir d'avoir joué avec toi. On annexe. Et on va monter là-haut, tout simplement. Avec, on va réparer ça. Ici, on va mettre... Un colon, wesh. À quoi il va me servir, à part à fonder cette ville ? Qui nous permettra d'avoir de l'uranium. De toute façon, Lyon risque d'être simple à prendre, hein, concrètement. Concrètement, il n'y a personne là-haut. Et en plus, ils n'ont plus aucun moyen de défense. Vu qu'ils sont déjà fait affaiblir à fond. Je pense que si j'envoie... Rien qu'avec un sous-marin, je pense qu'il y a moyen que je récupère Lyon. Donc ça va être très rapide. Ça va être très rapide.
La prise de Lyon. Ah, une unité en train d'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah toi, monte là-haut, vers La Rochelle. Et puis toi, monte là-haut. Voilà. Bien sûr. Toi aussi, tu vas prendre, hein, t'inquiète pas. Toi, ce sera prochain épisode. Où est-ce qu'ils sont, mes bateaux? Qui arrivent vers Hong Kong. Oh, les voilà, les trois bateaux. Voilà ma flotte qui arrive vers Hong Kong pour... Bah, pour prendre Hong Kong, en fait. J'ai eu un moment, je me suis dit peut-être pour libérer Hong Kong, mais... Oh, non. Non, non, c'est mon Hong Kong. L'Empire brésilien vaincra. Mouahaha. C'est important, le mouahaha, pour donner l'air... Hop, on va faire un petit commerce avec Buenos Aires. Et c'est mes amis depuis toujours. Ils m'ont toujours aidé. Ils m'ont toujours soutenu. Oh bah tiens. C'est triste si on prenait Lyon en un coup. Bonjour. Voilà. C'est chez moi. Merci, au revoir. Oh oui, on annexe, bien sûr. Si on montait là-haut. Et toi aussi. Écoutez, moi c'est la guerre. Hein? À la guerre comme à la guerre. Quand c'est la guerre, on attaque. Tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. En plus, je suis en train de... La France va bientôt périr dans les flammes et le sang. Nyahaha. J'ai capable... Voilà, ils m'ont dénoncé ce que je fais à mes ennemis, c'est tout. Après, j'ai attaqué aux Allemands, hein. Parce que je me souviens quand ils ont voulu nous convertir. Ça c'est pas mal. Parce que c'est un peu la dèche en or. On commence à être en dèche d'or. Et puis parce que les Chinois commencent toujours à me saouler. Bientôt on va attaquer Hong Kong. Hop. Toi tu peux aller là-bas faire des champs. Et toi tu vas aller faire un champ là. Où est-ce qu'ils sont mes petits bateaux? Oh! Oh! Un petit bateau à Hong Kong! Oh! Deux petits bateaux à Hong Kong! Oh! Trois petits bateaux à Hong Kong! Tiens! Et si on attaque Hong Kong au prochain tour? Bon! L'objectif de cet épisode sera de finir en attaquant Hong Kong, en ayant Hong Kong, et on arrêtera notre épisode ici, je pense. Sur cette guerre nucléaire... Enfin, cette guerre mondiale. Hop. Tour suivant. En plus, il y a les Allemands qui sont en guerre contre les Français, donc c'est plus que simple là. C'est on arrive et puis on tue ce qui reste, donc. Ils ont regardé avec quoi ils attaquent un tank avec des archers. S'il vous plaît, respectez-vous un minimum. Le truc qui est merveilleux, c'est si on voit dans l'art des technologies, on voit que les Français, on sont à l'ère de la Renaissance, voilà. Hein. Alors que le Congo que je viens d'éliminer était dans l'ère moderne. C'est quand même assez, voilà, assez drôle. Alors... On attaque Rennes avec des sous-marins, c'est merveilleux. Et on va prendre Rennes au prochain tour. Merci bien. C'est bon, tu nous laisses Rennes? Non, toujours pas? D'accord. Au prochain tour, comme je l'ai dit. Ah, on va pouvoir attaquer enfin. Notre délicieuse Hong Kong.
Allez, avec nos trois bateaux de guerre. Et du coup, ouais, on arrêtera l'épisode quand Hong Kong sera à nous. C'est un peu le projet de l'épisode. Et puis voilà. Toi, tu vas rester ici. En attendant, parce que je pense qu'au prochain épisode, on pourra attaquer tout simplement hop, les Allemands. Mais du coup, ouais, ça sera pour le prochain épisode, ça. Alors, j'aimerais juste pouvoir détruire une bonne fois pour toutes, enfin reprendre une bonne fois pour toutes Hong Kong, et puis on pourra mettre un terme à l'épisode. Alors, ils attaquent nos bateaux. Et puis là, je sais pas c'est quoi qui nous attaque. Ah, c'est les Russes en face. Ah tiens, ça allait attaquer la Russie aussi, le prochain épisode. Wouah, la guerre mondiale est déclarée. Bon. Toi tu montes là-haut. Toi si t'as moyen tu prends cette ville. Voilà, merci bien. Au revoir. Cette ville aussi. J'aimerais bien. Ce serait sympathique. Boum. Et boum. Cette ville est à nous. Allez. Bon, l'épisode aurait été un petit peu plus long, je pense. Allez, hop, oh, adieu. Annexé. Annexé. Mais ça, je pouvais pas trop m'en empêcher, c'était... C'est tout, hein. Je pense que vous aurez compris, hein. C'est un moment important pour l'Empire brésilien. Toi, j'aimerais bien que tu partes de ce côté-là, plutôt. Hop. Quant à toi, si tu montais là-haut. De toute façon, ça c'est... On est en guerre contre eux, donc autant monter directement dans leur territoire. Unité en attente d'ordre, bon, tu peux monter aussi là-haut. Promotion disponible. Alors, toi, tu vas monter là-haut aussi. Tac, tu fais le petit champ. Toi tu vas attendre ici, tranquillou. Et hop, bon je pense on prendra peut-être, on prendra pas Hong Kong. Ah quoique. Peut-être pas dans cet épisode. C'est qu'une question de temps de toute façon, donc Ouh. J'ai eu un petit lag. Poum poum poum. Ok c'est bon, ça va mieux. Tac. Bon c'est comme si on l'avait là. Concrètement c'est comme si on l'avait. On l'aura la prochaine fois. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est très la violence. C'est très la guerre. N'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu. Et puis nous bon, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Civilization 6. Allez salut.